Isabelle, c'est bien ça. Maman. N'importe quel foulard. Va regarder dans la chambre. Isabelle, tu veux voir? Deux jus. Il y a deux jus. Oui. Viens, Isabelle, viens, je veux voir. Tout sur la chambre. Comment tu es? Ça. Donne-moi. Bah tiens, l'autre. Lève-toi. Un seul jus. Tiens, Isabelle, mets la tête dedans.
Tu vas chercher quelque chose. Tu veux me raconter quelque chose? Il y a quelque chose dans mon oreille? Non, elle veut raconter quelque chose dans ton oreille. Tu veux raconter quelque chose dans mon oreille? Oui. Non, parle fort. Tout le monde écoute. Marielle, tu peux boire ton lait? Je suis la fatiguée. Marielle n'est pas fatiguée, Marielle. C'est juste Marielle. Si tu bois pas ton lait, tu vas pas à l'école. Marielle, elle n'aime pas qu'on le contredit. Dès qu'on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, elle se fâche. Bah maman, imaginons avec la maîtresse Marine, comment elle va faire? La maîtresse Marine aussi, elle n'aime pas qu'on la contredit. Moi, je l'ai contredit, elle m'a mis dans le rouge. Attention, Marielle, ton lait, là, il risque de tomber. Je me rappelle, c'était parce que j'avais déchiré mon potamine. Elle dit, mais très bien, il a déchiré mon potamine. Isabelle, moi, je suis contente de toi. T'as tout bu ton lait. Maman, t'as pas à dire. Tu dois dire, s'il te plaît. Isabelle, moi, je suis contente de toi, s'il te plaît, parce que toi, tu as bu tout ton lait. Maman, on a dire, merci. Occupe-toi de ton lait au lieu de dire qu'est-ce que les gens ils doivent dire. Punaise, pourquoi j'ai pas mis là? Isabelle, tu sais que tu es jolie. Tu es très jolie, toi. Ah bon, je suis jolie. Isabelle, très jolie, Marielle, très jolie. Elle est très beau.